Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez vraiment bien. Et oui, là nous sommes partis pour une nouvelle aventure, cette fois-ci dans un collège à l'abandon. Et oui, il y a quand même pas mal de places comme ça qui sont pas mal à voir, parce qu'il y a quand même des classes assez sympas, parce que malheureusement il était pas mal abîmé, mais il reste des choses intéressantes à voir. Préparez les pop-corn, parce que là, nous sommes partis pour un collège à l'abandon. Et moi je vous dis à tous, bah, c'est parti. Logiquement, je suis toujours avec mon acolyte. On est deux dans le bâtiment, chacun de son côté. Mais malheureusement, bah, j'espère qu'on n'est que deux, quoi. On va aller voir les autres classes. Mais après, il y a pas mal de classes comme ça vide. Du coup, on va pas... Oh putain! Je crois que cette classe-là, elle a pris le cher, mon gars. Ça, c'est vraiment dommage. Quand vous voyez ça, parce qu'il y a pas mal de lieux... Ah, ça pouvait être une classe sympa, ça, putain. On va voir ça de près. Regardez, malheureusement, regardez. Il y a pas mal de casseurs qui viennent avant nous. Des fois, on n'a pas le temps. Et vous avez le droit à ça. À des classes explosées. Ça pouvait être sympa pour faire des photos. Ouais, vraiment dommage. Et c'était la salle de physique. Ok. Bon bah on va pas tarder, on va aller passer par là. Là nous sommes au dernier étage je crois. Ah ouais sympa. Il y a quand même des oiseaux par là. Bon, ça a vraiment pris cher. Bon l'ascenseur qui est protégé quand même. Eh ben vous savez quoi, moi je vais prendre le sens inverse de la flèche et je descends. Parce que là-haut, on y est déjà. Hop, on va descendre. Oui, et pour vous dire, il fait au moins presque 30 degrés dehors. Et ici, il doit faire 20, quoi. C'est trop bien. Il fait super bon. Waouh. Bah, tiens, il est passé par là. Lui. Quoi? Ah bon? Attends, j'arrive. J'arrive. Hein? Ah, je sais pas, j'y étais pas encore. De quoi? Il y a lui qui cherche la cuisine. Ah oui! Ah, c'est bon, il cherchait la cuisine. Putain, ça a bien explosé. Putain, la vache, les trucs comme ça, ils ont été explosés. Putain, c'est vraiment dommage. C'est pas mal destroy, mais. C'est des chambres froides, ça, non? Hein? En, où ça? Ah, t'es par là. Attends, j'arrive. Ah, c'est des cuisines, ça. Ah bah, il y avait ça encore. Attends, j'arrive, je descends. Oh, des petits escaliers. Attends, j'arrive. Attends, c'est fou. C'est bon, j'arrive. Attends, on est où, là? Bonjour. Wow. Ah mais on n'a même pas vu ça nous. C'est quoi ça? C'est sous le bâtiment. On connaît, ça sert à rien d'aller là, c'est les canalisations, il n'y a rien de spécial. Ouais. Ouais, c'est... Ah, on n'a même, ah, même pas vu ça nous. Non. Oh, on a poussé la porte, j'ai pas fait gaffe. Ouais, j'ai regardé. Juste que je cherchais la cuisine. Hein. Il y a le monde charge qui est là. Vas-y, on prend. Les frigos. Il fait un petit peu chaud là, vas-y, on y va. Une dizaine de degrés. Je sais pas si t'as des douches, t'as. Ouais. Oh, c'est des anciens grands frigos, tout ça. Bon, alors voilà, c'est une voie. Regarde les 4 degrés, j'ai combien de cartes. Vas-y, on va se laver là-dedans. À la trappe et à l'échelle. Non, pas fait gaffe. Tiens, je regarde après. On voit bien, il y a des mentalités un peu zéro ici. Il y a de la bite de partout. De la bite, hein. Des kikis, on va dire. Hein. Ça, ça devait être bah, où il mangeait. Le self. Ouais. C'est le self ici. Pour ce qu'il en reste. Oh, il fait chaud là. Aïe.
l'air prêt. Peux-tu me montrer l'endroit? Vas-y. Par là, hein, je suis descendu par là, moi. Et on peut aller là-dessous. Je vais regarder. Après, c'est pas le vide sanitaire qui est là-dessous. Ah, c'est ça. Y'a caca? Je sais pas, ça a l'air d'être grand, ça, mon gars. Y'a caca? Bon, du coup, on est passé par là. Ah, d'accord, ok, c'est bien la salle d'art plastique. Mais le truc qui est sympa, il y a encore la porte qui est restée peinte par les élèves. Art plastique. Quand même quelques trucs qui restent. Bon, du coup, on est passé par la salle d'art plastique, les toilettes. Bon, il y a pas mal de noms de personnes. Mais j'aime beaucoup parce que, vous voyez, je sais pas si vous avez fait attention, avant la fermeture de ce collège, il y a des dessins, si je me trompe pas, il y a des dessins qui ont été dessinés par, je pense, les anciens élèves. Avant la fermeture, du coup, ils ont marqué leur nom, tout ça. Je vais éviter de les montrer parce qu'après, le lieu, je n'ai pas envie qu'il soit visité. Et du coup, ils ont fait des dessins et c'est sympa. Et un truc que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est une bonne idée, franchement, c'est pas mal. Il y a pour ceux qui sont fans de Pikachu, je vais faire comme ça, vous allez voir. Hop. Je sais pas, je vais pouvoir. Et c'est trop marrant. Le mec, il a voulu faire un truc de dégradé à moitié comme ça. C'est pas mal, ce truc. Est-ce qu'on fait ça? Hop. Franchement, GG au mec. Salle des professeurs. Ah, on va aller voir les profs. Pour ceux qui ne sont jamais dans des salles des profs. Mais bon, je pense que vous êtes pas mal à avoir été. Bon, là-bas, on va pas passer. 101. C'est des classes. C'est des classes. Oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, il y a eu une bataille de je sais pas quoi, là. Là, je suis un peu tout seul dans le coin, là. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose spécialement. C'est des pièces vides ici, mais ils sont intacts. Ouais, il n'y a rien de cassé, là. Je suis même content. Bon, on va repasser par là. Privé. Oh, le vieux téléphone. Waouh. Bah vous savez quoi, moi je vais ressortir parce que j'aime pas, il fait nuit. Allez, on ouvre la porte, bonjour, on ressort, au revoir. Allez, on va repasser par les escaliers là. Conseil principal, éducation, salle des profs, bureau de surveillance, CDI. Ok, j'arrive. On n'a pas crétin, impeccable. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait, là je suis passé. Et je me perds un peu là. C'est dit à valeur plastique, vie scolaire, conseiller d'orientation. Que j'ai pas fait. Salle 300, vie scolaire, conseil d'orientation. Je sais pas si je le. Moi j'ai fait, ça reste des classes. Ok, il y a une sortie, 302. C'est vraiment dommage qu'ils l'ont cassé le collège. Ça aurait pu être sympa. Malheureusement, même si ça t'appartient pas, faut rien toucher. Tu regardes qu'avec tes yeux, tu casses rien, c'est pas chez toi. Et nous, à cause de ça, les explorateurs, bah, on prend cher par rapport à vous. Bah vous, au casseur quoi. Là je suis au dernier étage je crois. Il fait chaud. Oh, la chaleur. Là c'est l'autre étage. Je crois que ça reste pareil. Oh il fait trop chaud. Oh truc de fou. Ah oui d'accord.
Londres, Berlin. Ah, on doit monter dans les... dans les classes de langue, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est pareil qu'en bas. Oh, il fait trop chaud. Oh la vache, la chaleur. Bon, malheureusement les amis, et oui, on va se retrouver pour la fin de cette aventure, de cet exploit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voir un collège à l'abandon, parce que vous avez l'habitude de voir des collèges bah, où vous faites vos devoirs et tout. Oui, il est propre et tout. Là, c'est juste impressionnant parce que, je sais pas si vous voyez, il y a des trous dans les murs et tout là. Et voir un collège à l'abandon, sans vie, sans rien, sans personne, c'est juste quelque chose de apocalyptique le truc, tu vois, un peu à la Tchernobyl et tout ça. Du coup, ça m'a fait plaisir de voir un collège, ça change un peu, des hôpitaux, des manoirs, tout ça. Bon, dites-moi l'hashtag heure, à quelle heure vous regardez cet explo, peut-être la nuit ou le jour, peu importe. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir dans un collège parce que ça me rappelle un peu mon enfance. Aïe, on vieillit tous, malheureusement. Bon, les amis, merci pour le like, les partages et tout, parce que c'est très très important pour moi. Et ben, moi, je vous dis à tous, bah, à très bientôt pour des prochaines aventures. Et moi, je vous dis à tous, bah, portez-vous bien et à très bientôt. Et bye bye!